Candy FM se rapproche davantage de ses auditeurs. Ce samedi 16 avril 2022, l'application de cette radio communautaire a été lancée dans la commune d'Aboumé-Calavi. Elle a pour objectif de faire bénéficier de l'information de la radio communautaire Candy FM à tout le monde entier. Grâce à cette application, où que vous soyez dans le monde entier, vous avez cette possibilité, vous avez la possibilité d'écouter la radio. Pourquoi Candy FM? C'est très important de donner cette précision. Candy FM, parce que c'est une radio communautaire et ce n'est pas une radio privée. Donc c'est pour ça, étant une association de développement, nous avons choisi alors la radio communautaire pour pouvoir contribuer nous également au développement de la communauté, au développement de toute la commune de Candy. Cette initiative de Dikadev qui met la radio Candy FM en phase avec le numérique vient soulager les responsables de la 102.9 FM qui peinent depuis plus d'une quinzaine d'années à mobiliser les ressources pour y faire face. Quand Dikadev m'a saisi pour nous proposer leur apport pour que Candy FM soit écouté des quatre coins du monde, j'ai dit ouf. Nous sommes très fiers de ce que cette association vient de décider parce que ça nous permet d'aller loin. Ça nous permet de bénéficier de l'attraction. Parce que quand les femmes aujourd'hui est mis sur orbite, je le dis comme ça, partout où vous passez, vous pouvez nous suivre. Mais c'est en même temps aussi un défi qu'on nous lance. Parce que si partout on peut vous écouter, ça veut dire qu'il nous faut des productions de bonne facture. Pour qu'on dise que, mais ce n'est pas de n'importe quoi. Ils nous ont aidés, mais ils nous lancent ainsi un défi. Et je m'engage ici pour dire que nous allons revoir notre grille des programmes. Nous allons revoir nos productions pour qu'on sache que c'est une radio. Notre radio fait du bon travail. Outre le financement de l'application Candy FM, Dikadev, diaspora candienne pour le développement, prévoit mener plusieurs autres actions pour le développement de la commune de Candy. Nous aurons à mener plusieurs actions. Nous allons encourager l'excellence, le leadership et l'insertion des jeunes. Ensuite, nous allons accompagner des structures communautaires dans l'atteinte des objectifs de développement. Nous aurons à mener des actions sociales visant à l'amélioration des conditions de vie de la femme, des enfants et des jeunes. L'application Candy FM est disponible et téléchargeable sur Play Store. Pour rappel, la radio communautaire Candy FM a démarré ses activités le 24 janvier 2004.